Et salut à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de Fallout 2 en bonne compagnie à New Reno. Il y a une tonne de choses à faire, quand je dis une tonne, c'est une tonne. Donc d'ailleurs, il faut que je retourne à... Comment ça s'appelle ? À la cité de l'abri. Ah non, peut-être pas forcément, tiens. Alors, trouver un remède au jet. Alors, essayez de aller aux étables, demander à Jules et faites en sorte de pouvoir voir Myron. Alors, on va aller aux étables, donc on va essayer de trouver les étables. Hein. Je pense qu'il ne va pas être chose aisée. T'es mis sur la traîne, mes coéquipiers, dis donc. Alors, les étables. Donc, ça, c'est la production de films porno. Hein. Salvatore's Bar. Zone. Hop, on va aller là-bas, on va voir. Donc, il y a quatre grandes familles à New Reno. Des familles de mafieux, évidemment. L'entrée semble bloquée, non. Tu me racontes. Et on va travailler pour chacun d'entre eux. Donc il y a une famille qui est plus ou moins la famille la plus propre, éthiquement parlant, par rapport aux autres. Donc ça va être pour elle qu'on va travailler en dernier. Parce qu'en fait, pour chaque famille pour laquelle on va travailler, à la fin de leur quête, on va pouvoir tuer le parrain. Et ben les étables, je sais pas du tout où c'est, parce qu'il n'y a rien qui ressemble à des étables. Donc ben, on va discuter avec tout le monde. Et donc du coup, ben, le dernier, donc on essaiera de pas le tuer, évidemment. Ah ben c'est la famille Wright, ça, tiens. Ça va être pour eux que je vais travailler en dernier. Donc, c'est pas là. On va essayer d'aller voir là. Wright aussi. Moi, ce que j'aime, c'est quand il nous parle comme ça, là. Allez aux étables, demandez à Jules. C'est où, les étables? Hein? De Jules. Fermé, tout bloqué. Jules ne peut pas y aller. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire de la boxe aussi. Ça va être marrant, ça tient. Ah. Quoique non, ça c'est la zone d'où je viens, ça je crois. Ah mais il y a la zone là aussi. Non, c'est ça. Non, non, j'ai des conneries. Par là, par contre, je suis pas allé. Ok, les gens iront dans le bar, ils savent pas pourquoi. Alors, c'est quoi cette zone? New Reno Arms. Ah, déjà, ça me plaît. Je sens que ça va être un truc de vente d'armes. Je vais pouvoir un peu me débarrasser de tout ce que j'ai. Ça m'en a tout l'air. Et je sens que ça va me plaire. Alors c'est une carte qui est imprimée, complexe, une puce de mémoire qui se trouve à l'intérieur de plusieurs connexions informatiques.
Tiens, je veux dire, module de reconnaissance vocale Voltec. 3000! Alors, jetons un oeil à ta réserve. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau? Armure en cuir modèle 2, je m'en fous. Alors, ça déjà, hop, hop. Mitraillette. Mais je sens qu'il a pas grand-chose au final, le bâtard. Putain! Chier. Il a rien de spécial, là, le petit con. Oui, c'est peut-être un peu beaucoup, là, non? Donc on va mettre 8. Et ça fera l'affaire. Combien la mitraillette? 183. J'aimerais bien savoir du coup ce qu'elle vaut, hein, parce que... Waouh! Eh, je m'en fous si je me fais un peu voler. J'ai juste envie de voir les dégâts que ça fait. À 20, ouais, c'est pas terrible quoi par rapport au fusil à pompe. Je pense que le seul truc qui valait le coup, c'est qu'il va avoir un gros chargeur. Du coup, voilà. Alors, échange. Mon ange, je suis en train d'enregistrer là. Comment ça, mon offre n'est pas satisfaisante? Ah oui, pardon, c'est... oui. Voilà, bon. Vite, c'est notre grosse armure. Si je suis pas sûr que ce soit meilleur. Ouais, si, elle est un peu meilleure quand même. Alors, donc ça ne nous dit pas où sont les fermes, bon sang de bonsoir. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. La Vierge, rue de Marchande, à l'entrecôte. Je sais pas, ça me paraît bizarre cette histoire-là. Ça me paraît bizarre, mais c'est quoi cette histoire de ferme là qui parle? Aux étables, pardon. Alors, apporter un pistolet laser à Eldridge. Alors, je sais pas qui c'est, donc du coup, il faut que j'aille voir Salvatore. Alors, Salvatore, il me semble que j'avais lu un Salvatore quelque part. Ah ben là, voilà. Erreur.
Et Salvatore il est à l'étage alors. Voilà, Louis Salvatore. Bien tête de chiotte. Ah, mais c'est lui, Mason? Attendez, je crois que c'est lui qu'il faut que je trouve du coup. Non, c'est Myron qu'il faut que je trouve. Bon, on va pas trop chercher la merde non plus, hein, parce que ce serait dommage de foirer le truc maintenant. Texto. Alors, le branleur. Pardon pour le coup dans le micro. J'aime bien comment ils se foutent eux-mêmes de la gueule de leur jeu, parce que du coup, ouais, c'est vrai que les personnages se ressemblent plus ou moins. C'est énorme.
Donc, il y a moyen qu'on fasse tomber à Miss Nikki, j'imagine. Attendez, d'ailleurs, on va reprendre ça, hein. Donc, on va essayer de trouver les quêtes de la famille Salvatore. Retrouver Lloyd, reprendre l'argent qu'il a volé et faire de lui un exemple. Ah, il faut rester poli jusqu'au bout. Ah bon. Ah, c'est cool ça, attendez. Il a un pistolet laser à voler dans son coffre sous son nez. Mais elle va. Putain, mais c'est pas vrai ça. Ah merde, du coup la porte elle est fermée là. Et j'ai plutôt pas intérêt de revenir si la mission n'est pas finie. Bon, on le fera après. Alors. Aller dans le sous-sol du casino des Mordino, le Desperado. Maintenant, il reste plus qu'à le trouver, le Desperado. Ça là-bas, c'est le White, il me semble, donc ce sera pas là-dedans parce qu'il me parle des Mordino. On va aller voir ailleurs si on n'y est pas. Alors, Catspo, Desperado, c'est ça, hein, que je disais? C'est ça. Et là, faut que j'aille au sous-sol. Toilette. Je ne vois pas comment aller au sous-sol, c'est cool là. Extrêmement cool là. Ah, par là. Putain, il fallait le voir, hein. Voilà, je l'ai suivi. Elle est creuse, Lloyd. Tu vois, Lloyd, dans la vie, il y a deux catégories de gens. Ceux qui ont un pistolet et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ah ben c'est ça. Ceux qui ont des fusils chargés, pardon, et ceux qui creusent. Hey Lloyd, attrape!
Et merde, c'est tout? Non. Alors attendez. Faut faire utiliser dessus. Fil 1, d'accord, ok. Voilà. Ce détail-là que je comprenais pas dans le dans la soluce. En fait, il suffit juste de marcher dessus. Il faut pas faire la flèche pour dire servir. Bon, on va récupérer les munitions. Bon, même si c'est que 2 balles en même temps, j'ai envie de vous dire, hein. Et on se casse. En tout cas, ça donne envie d'y aller dans ce coin-là, lui, hein? Putain! Ah, donc nous étions à Golgotha, en fait. Et donc nous étions à la deuxième rue, il me semble. C'est ça. Allez, on retourne voir Salvatore, on va pas oublier de récupérer son pistolet, hein? Je vais sauvegarder un petit coup quand même, parce que je joue beaucoup avec le feu en parlant comme ça me sonne. Donc on va refaire un petit coup de sauvegarde, logiquement je peux fouiller dans son coffre tranquille. Et je récupère le pistolet laser. Et il n'y a pas que ça à récupérer, dis donc, c'est cool ça! En plus on a du carburant pour la bagnole. Parfait! Alors, vous faites ce qu'il faut que je le trouve. Alors, résolvez cette quête. Allez voir Ronesco et dites-lui que... hein. Au milieu. Mais il est où ce Ronesco? Je le viens, moi. Et je le trouve où? Ah, la pharmacie d'Ornesco, dans l'ouest de la ville. Ah ben Ornesco, ok. Enfin, ok, j'avais pas fait gaffe que c'était marqué Ronesco là. J'imagine que ça doit être lui. Alors voyons déjà ce qu'il a nous échangé. Pour 2000. Un peu cher là, hein? Ah oui, pour 5000, ben voilà, on va pas en vendre des armes là. Dis donc, nom de Dieu.
Hein? Voilà. Parfait. Alors. Ah, attendez, que je réponde pas de la merde, hein? Je vous dirais qu'il peut pas payer, ne choisissez qu'une seule solution. Proposez-lui de faire une petite réduction sur son stock. D'accord! Oh, attendez, je comprends pas. Moi là, je te pique pas là, parce que la réponse que faut que je donne, il n'y a pas. Et là donc du coup on a tout gratuit alors. Donc limite je vais tout récupérer ce que je lui ai filé. Non mais pas, ça fonctionne pas hein. Ma foi, c'est bizarre. Je reviendrai. Allez, allons voir Salvatore. Ah d'accord, j'aurais pu lui montrer le pistolet laser pour bien lui montrer que j'étais de chez Salvatore. Mais en fait, en même temps, je m'en fous. Oh, c'est pas vrai.
Ah, j'ai tout à refaire, je suis dégoûté. Chaque fois, faut parler à un mécène pour dire que c'est bon, on a fini, gna 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 gna. Allez, maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire, et qu'on sait que logiquement on peut le faire gratuitement. Est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Pire, de toute façon, je lui rééchange les armes et tout, hein. Ah ben, j'ai envie de dire, ça fonctionne pas des masses, leur histoire, là. Lui, je vais essayer de lui filer le pistolet laser. Par contre, je sais plus trop comment on la lance, la quête, mais bon, on va essayer. Ça, ce sera une chose de faite. Peut-être qu'il fallait que je l'équipe le pistolet pour lui montrer. Bon. Faut que je relise comment lui lancer la quête à lui. D'accord, en fait, forcément que je peux pas trouver les étables, parce qu'apparemment, on y est téléporté. Il faut travailler pour la famille Mordino. Donc forcément... Alors, une transaction délicate, j'ai besoin d'une garde supplémentaire pour faire en sorte que tout se passe en douceur. Va voir Mason et va te dire ce qui se passe. Oui, donc d'ailleurs, je sais pas pourquoi on a d'abord droit à la phrase de comment ça va se passer. Il vient de te dire que c'est Mason qui va tout nous dire. Au con? Ah, c'est la fin de l'épisode, dis donc. Il y a une transaction secrète avec l'enclave. Secrète, finir la quête, récupérer... Alors, quand vous aurez récupéré les quêtes, demandez à Salvatore, vous donnez le pistolet d'ailleurs, ensuite voir Mason. Demandez-lui de vous apprendre à vous servir de cette arme pour gagner 5% d'énergie. Je m'en fous.
Ensuite, suivez dans le désert, vous avez 24 heures après, il attaque. D'accord, ils sont en train de faire la transaction tranquille. Bon. Donc on était à la deuxième rue. Elle va se pousser de là. Bien sûr que je peux pas y aller, on lui est au milieu de la porte, cette conne là. Pute! Et là, c'est qu'à le dire, hein. Parce que c'est une pute. Notamment ma mère. Ça c'est fait, hop là, j'arrive à passer juste avant que les alliés me fassent chier. Allons voir un peu c'est quoi toutes ces promos et ce sera la fin de l'épisode. D'ailleurs d'abord on va attendre qu'il fasse jour parce que j'imagine qu'à minuit les magasins ne doivent pas trop être ouverts. Si. Il a rien de neuf. On va voir ce que l'autre il a en bas. Ça, je sens que ça va être un club de prostituées. Et je peux pas sortir parce que quelqu'un qui m'en empêche. Poussez-vous de là. Et je peux pas le pousser en plus parce que putain de bon sang de bonsoir, il y a le grillage. Et il a rien à sa réserve spéciale, ok. Tu parles d'une promo, toi? Juste par curiosité, je vais voir donc ce que c'est que ce club. Ah non, c'est quand même une église.
Bon, ben voilà, c'est que ça, c'est pas bien grave. Donc, en tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura bien plu de travailler pour le baron Salvatore. Donc, certainement que l'épisode prochain, eh ben, on va tuer le baron Salvatore. Parce que sinon, on pourra pas travailler pour les autres familles. Et puis, eh ben, après, on travaillera pour la famille, comment qu'elle s'appelle? Carrément des frères Corses. Et des Corses. Alors, c'est la famille Mordino. Voilà, on ira travailler pour la famille Mordino. Et puis voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça aura bien plu. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, et amusez-vous bien.